Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes bien sur l'Axe 76. Puis re-bonsoir ou re-bonjour pour ceux qui étaient de passage sur ma première vidéo sortie en ce dimanche 11 novembre. On a déjà sorti les récompenses de Clash d'équipe, hein, si vous le souhaitez, c'est disponible sur la chaîne, c'est sorti en vidéo. Voilà. Bon, j'étais en train de faire un petit peu de gameplay et 19h, j'étais voir les nouveautés menus. Un nouveau défi Ballon d'Or. Donc, nouvelle vidéo. IFC 25, solution SBC, défi Ballon d'Or 3 pour récupérer un pack méga vendable. Vous aurez 2 jours pour faire ce petit défi si vous le souhaitez. Avant d'aller plus loin, si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à laisser le petit plus 1, le petit pouce en l'air qui me soutient et qui m'aide au référencement de la vidéo. À vous abonner si vous êtes nouveau, si vous aimez le contenu que je vous propose. Et on est parti pour la solution que je vais vous donner. Alors attention sur ce défi-là. eSports l'a très très bien ciblé, pour une fois. C'est rare qu'ils mettent 3 défis 3 jours de suite. Mais je pense que, voilà, vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous expliquer un petit peu. On est le week-end. Il y a FUT Champion. Pour tous ceux qui font FUT Champ, ceux qui ont des fodders. Voilà. En plus, comme demain, lundi, c'est férié, voilà, ils ont mis les 2 jours, tu vois, jusqu'à lundi, disant, bon, on va leur laisser faire FUT Champion. Et pour ceux qui veulent le faire, attention, moi, le crédit, le SBC m'a coûté 9 300 crédits. Alors, pardon. Il y a moyen de l'avoir un petit peu moins cher, parce que là, comme c'est FUT Champion, tout le monde refait un peu ses équipes. Il y a pas mal de SBC avec des équipes qu'il faut faire avec des joueurs, donc il y a certaines cartes qui coûtent assez cher. Je vais vous donner ma solution. Après, libre à vous de le faire ou pas, ce défi Ballon d'Or 3, de copier mon équipe. Moi, c'est pas compliqué, je suis parti sur une Ligue 1 et je suis parti avec beaucoup de joueurs français. Ce qu'il faut prendre en compte, il y a un joueur de Bundesliga qui est demandé. Et en fonction de ce que vous allez prendre au niveau de la nationalité, il va falloir essayer, par exemple, si c'est un Allemand, si c'est un Italien de la Bundesliga, bah, essayer de prendre les mêmes joueurs du même pays pour que ça fasse du collectif. Voilà. Excusez-moi. Je m'étouffe. Donc, faites attention à ça. Demandez, joueur de Bundesliga, un parmi vos titulaires. Joueur de même pays région, minimum deux parmi vos titulaires. Donc, 2 joueurs de pays différents, voilà. Donc, moi, j'ai pris Olise, j'ai pris, voilà, après des joueurs de Ligue 1, parce que ça fait du collectif, comme d'habitude, du même club. Championnat, maximum 4. Moi, j'ai pris des joueurs de Ligue 1, j'ai pris des joueurs de Bundesliga, mais j'ai pas cherché à partir dans 4 championnats, parce que après, pour faire du collectif, faut vraiment. Voilà. Ensuite, et là, c'est là que ça fait monter le prix. Joueurs rares, minimum 8. Alors, pas que ça, mais surtout le collectif, 31 de collectif. Moi, je suis à 32, je dépasse, mais de plus 1. Et surtout la note d'équipe, et ça, c'est très très important, 80 de note de collectif. Alors, je pense aussi à tous ceux aussi qui ont fait de champion aussi, qu'on leur récompense et puis qui n'ont pas toujours envie de lister leurs joueurs parce qu'ils n'ont pas toujours ce qu'ils devraient avoir dans leur récompense. Faites attention avec les 80, les copains, parce que ça va, il y a des prix que ça va monter. Voilà, je préfère vous le dire d'avance. Et pendant 2 jours, je pense que là, il va y avoir des 80, ça va remonter un petit peu le prix des 80. Voilà. Comme toujours, si vous avez du mal avec le prix d'achat des joueurs, aidez-vous de FUTBIN et de FUTGG. Et on est parti pour ma solution, en espérant que ça en aidera. Alors, Brissamba 82, joueur de Ligue 1. Bon, je vous mets pas le prix, mais là, vous avez les prix, hein. Là, en moyenne, je pense que des joueurs qui valent entre 600 et 800, le prix, ça peut même presque doubler, hein. Là, comme il y a de la note et tout qui est demandé, les 80, 81, 82, même les 83, ça vaut assez, quoi, hein. Voilà. Surtout dans le top 5 des championnats avec la Ligue 1, la Bundesliga, la Serie A, la Liga et la Première Ligue. Alors, Samba 82. Vous avez tous les prix auxquels je les ai payés, hein. Jonathan Klose 80. Ensuite, Skriniar 81. Kimpembe 81, qui me fait du collectif avec Skriniar comme il joue dans le même club. Ensuite, Théo Hernandez 83, qui peut jouer DC et qui peut jouer DG. Voilà. Alors, j'aurais peut-être pu prendre un Français un peu moins cher d'un autre championnat, mais ou Ligue 1 féminine aussi, française. Mais voilà. Et, certaines cartes, même en carte bronze, j'avais été voir un peu avant, ça coûte bonbon aussi. Ensuite, Fabian Ruiz 82. Lui aussi du PSG. Ensuite, j'ai pris la doublette marseillaise. Pierre-Emile Hojbjerg 80, avec Jordan Veretout, le français de Marseille. Voilà.
Ensuite, bon, pour le joueur de Bundesliga, j'ai pris Olise. Voilà, Olise 82, 1100 crédits. Bon, voilà. Ensuite, bon, Mikotadze, je l'ai mis, je l'avais dans mon invendable au club. Voilà. Et j'ai pris aussi Zaha. Comme ça, les deux, ça fait du collectif avec les joueurs de Ligue 1. Entre Zaha et Mikotadze, ça me donne du collectif. Et le petit SBC passe, on va dire, assez bien. Vous voyez, une défense parisienne avec trois défenseurs, un Français, Jonathan Clauss, voilà. Vous pouvez même faire ça. Hein. Vous mettez Kimpembe, vous permutez, voilà. Ça vous fait du collectif avec Clauss, Kimpembe et Samba, comme ces trois joueurs de Ligue 1 français. Et Skriniar et Hernandez, ça vous fait du collectif parce que c'est deux joueurs du PSG. Déjà, rien que ça. Ensuite, Hernandez, Verretou, ça vous donne du collectif. Ruiz avec Hojbjerg, bah, ça vous donne du. Et Kimpembe, pardon, ça vous donne du collectif. Et puis Hojbjerg, Verretou, le milieu de terrain, tout de suite, le collectif, ça passe bien. Ensuite, voilà. Puis Olise, joueur français de Bundesliga, ça reste un petit peu. Voilà. C'est de la note, comme il y a une note de 80 qui est demandée. 31 de collectif et 8 cartes rares. Ce sera aussi les éléments les plus importants. Bah écoutez, je valide le SBC défi Ballon d'Or numéro 3, en espérant que ça en aidera beaucoup. Si vous souhaitez faire ce petit défi, il vous reste encore 2 jours pour le faire. Mais moi, je l'ai quand même payé 9 300 crédits. On récupère un pack méga vendable. J'espère me rembourser de ce que j'ai investi sur le SBC. Et avant d'aller ouvrir le pack, on va aller voir aussi l'évolution qui est sortie hier ce soir à 19h. Voilà. Alors, objectif, je regarde un petit peu juste ce que j'ai débloqué. Voilà. En plus, vous pouvez récupérer un pack élément joueur or rare 80 plus si vous faites le SBC. Donc, c'est un pack comme un autre, ça se prend. Voilà, ce sera un petit bonus pour la vidéo. Et on va aller voir rapidement l'évolution qui est sortie ce soir à 19h, qui coûte aussi pas mal de crédits, cela dit en passant. Mais je me dois quand même d'en parler aussi. C'est des nouveautés qui sont sorties à 19h, donc je vais en parler rapidement. Alors, l'évolution. Lauréat, Ballon d'Or, on avait eu Bonmati qui était sorti, bah là c'est pour Rodri. Alors là c'est pour un MDC. Général max 83, physique max 87, style de jeu plus max 1, style de jeu, bah il n'en faut pas plus 6, il faut que ça soit un MDC et les postes totaux maximum 4. Alors c'est beaucoup du mode rush, beaucoup du mode rivals, voilà, il y a beaucoup de matchs à faire et en moyenne je crois que ça donne un plus 3. Mais c'est quand même 80 000 crédits. Donc moi je vais attendre un peu pour le faire. Je voulais le faire avec Campuzano. Là j'ai une évolution qui se termine dans une journée. Ou peut-être avec Didier Moreno. Je vais voir. Je n'ai pas encore décidé. Bon, ouais, j'étais pas loin des 77 000 crédits. Là je suis redescendu un peu. Mais avec le pack méga, logiquement, je devrais me récupérer, je pense, ce que j'ai investi dans le SBC. Donc voilà. Alors on va voir ce que ça vaut de faire un SBC jour après jour depuis 3 jours. Tryharder un petit peu tous les modes. Est-ce que ça va payer? Est-ce que ma chance va être enfin présente? Est-ce que je vais avoir une grosse animation dans le pack méga pour cette solution SBC défi Ballon d'Or numéro 3? Bon, comme vous le voyez aussi, petit détail, j'ai changé aussi le tifo de mon club. J'ai pris le tifo de Junior de Barranquilla. Parce que là, inconsciemment, avec mon équipe, je suis en train de partir sur beaucoup de joueurs de juniors de Barranquilla. Dans les mois à venir, là, début d'année prochaine, je vous sortirai aussi des players revues sur des joueurs et avec les équipes qui sont engagées en Conmebol, en Libertadores et en Sudamericana. Voilà. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Et voilà. Donc on a deux packs. Le pack de la solution SBC, défi Ballon d'Or 3, plus le pack qu'on a récupéré dans les objectifs. Je vais regarder si on n'a pas les packs aperçus, mais je crois pas. Non, encore un peu de temps d'attente. Donc, bah écoutez, on a deux packs, un vendable, un invendable. On commence avec le pack joueur en rare 80 plus. C'est ouvert. Ok, on a le tunnel. Alors, DG, allemand, Bundesliga, c'est qui ça? C'est un homme? Leipzig. Ok, Rome 81. On envoie au club. Ça servira pour d'autres SBC. Ce qui serait pas mal, ce serait un petit boost.
Il y a un 82 de garantie dans le pack. 30 éléments, 30 en or, 18 rares, des joueurs et des consommables. Un petit stylo, tu vois, 5 000 crédits avec un joueur qui coûte, on va dire, un peu plus de 10 000 crédits, tu vois. Bon, après, je fais pas ça aussi pour me gagner des crédits en faisant un bénéfice, en ayant fait le SBC. Je sors surtout ces solutions-là parce que c'est le contenu de maintenant. Là, on est en event Centurion et je le fais aussi pour faciliter un petit peu aussi la communauté FC qui aurait du mal à sortir des solutions SBC. Alors oui, j'ai dépassé de plus 1 le collectif et la note, mais voilà. Je pense que ça devrait en aider quelques-uns. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si ça vous aide, à m'encourager si vous le souhaitez, à me laisser le petit abonnement si vous êtes nouveau, et puis à laisser le petit plus 1 qui soutient et qui m'aide au référencement de la chaîne. Allez, on est parti pour le pack méga à 35 000 crédits vendables. Allez, 3, 2, 1, on croise les doigts et c'est parti. C'est ouvert. Pas de carte de l'event, pas de boost. MOC, danois, c'est féminin. Bayern Munich. Harder 84. Bon, après, elle, c'est pareil. C'est comme l'Argentin là qui joue Bayer Leverkusen. Elle arrête pas de me suivre. Hein. C'est phénoménal. Ouais. Qu'est-ce que ça cache après derrière? Oui, oui. Il est bien pourri ce pack. Ah, il y a des FC où ça veut pas payer et celui-là, il en fait partie quand. Waouh. C'est. Alors, ah ouais, il y a un 84, mais voilà les cartes, les notes que j'ai derrière, quoi. Waouh. 84 après 81. Bon, je vais me taire, je crois que ça vaut mieux. Ouais. Bon, là, on se rembourse très clair. Enfin, ouais. Alors. Oui, bon, attends, le maestro, je vais regarder voir après si ça coûte un peu. Genre, relisterai tout ça après hors stream, mais waouh. Il n'y a même pas un style chasseur, il n'y a même pas un style ombre. Il n'y a même pas un boost. Bon après, c'est que des packs méga. Hein. Mais il n'y a rien qui coûte quoi. Il n'y a rien qui coûte quoi. Là, je vais récupérer, on va dire, allez, peut-être pas loin de 50% du prix du SBC de ce que j'ai payé. 5584 crédits. 584 crédits, pardon. Enfin, 5584 crédits. Mais alors. Sur un pack à 35 000 crédits, un 84, c'est bien, mais ma chance n'est pas présente sur ce FC25. J'en avais parlé déjà quand j'étais en stream, déjà il y a quelques mois. Depuis que je fais des vidéos, ne serait-ce que pour packer un boost, même le plus pété, tu vois, un boost qui coûte 10K, bah j'ai du mal. Voilà. Et pourtant, c'est pas faute de charbonner tous les SBC et de tryharder un peu tous les modes. Hein. Ouais. Je vais aller voir juste le prix du 84, voir combien que ça coûte. 3 000. Ouais, 3 000, ça part pas déjà. Tu sais quoi, je vais la mettre à 2 800. Je vais la mettre à 2 700. Hop, on verra bien. Je pense que je vais me rembourser du prix du SBC quand même. Mais compliqué, hein. Compliqué de faire du bénéfice de crédit. 2 400. Il va falloir que je prenne le temps de regarder sur Futbin tous les prix parce que vous voyez ce que je vous disais sur des joueuses allemandes, tout ça, il y a des cartes, ça va coûter. Hein. Là, celle-là, il y a déjà une offre à 2 400. Donc je prendrai mon temps pour relister tous les joueurs. Et comment dire? Et essayer de faire un bénéfice de crédit, quoi. Voilà. Bon après, est-ce que je suis déçu d'avoir fait la solution SBC? Bien sûr que non, parce que c'est une solution que je vous propose pour un défi SBC Ballon d'Or numéro 3. Je le fais aussi pour aider aussi les gens qui auraient du mal un petit peu avec les SBC. J'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a aidé cette solution, à me dire aussi si vous l'avez fait ou pas, ou est-ce que vous trouvez que c'est trop cher. Moi, au prix que je l'ai payé, bon, voilà, il y a peut-être des gens qui arriveront peut-être à le faire un petit peu moins cher que moi. Je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti sur cette petite solution SBC. Mais voilà quoi. Ouais, vous voyez, là c'est pour ça qu'il faut que je prenne le temps de lister. Parce que là, je pense que le 84, je l'ai un petit peu bradé. Je vais reprendre mes anciennes méthodes, prendre le temps de lister mes joueurs sur Futbin. Et puis voilà.
Aidez-vous au site Futbin pour acheter des joueurs au prix le plus juste, les copains, et FutGG. Donc bah écoutez, c'était l'Axe 76. Pour vous sortir cette solution SBC sur IFC 25, défi ballon d'or numéro 3. Bon, encore une fois, on n'a pas de carte de l'event, on n'a pas de carte boost ni de grosse animation. Tant pis, c'est comme ça. On retentera notre chance. Donc n'hésitez surtout pas à laisser le petit plus 1 qui me soutient. À vous abonner si vous êtes nouveau. Je rappelle qu'on essaie d'aller chercher les 1000 abonnés. Et puis je vous dis à très très vite les copains. Et n'oubliez pas, il y a aussi la vidéo des récompenses de Clash d'équipe qui est disponible sur ma chaîne. Voilà, voilà. Allez, bon week-end à tous. Et à très très vite les amis. C'était l'Axe 76. Bonsoir.